En remettant les insignes de chevalier des arts et des lettres à Esther Trépanier, ancienne directrice du Musée national des beaux-arts du Québec, la France a honoré une femme de vision et de caractère, dont le nom est indissociable de l'histoire de l'art et des musées du Québec. Qu'au nom du ministre de la Culture, je vous fais chevalier des arts et des lettres. C'est avec beaucoup de gratitude que je reçois l'honneur que me fait la République française. Et d'un point de vue personnel, j'ajouterais que de le recevoir de vous, Madame Le Gall, est un véritable plaisir, car ce fut en effet toujours dans la joie que nous avons collaboré dans le passé. Dans son discours, Esther Trépanier a également souligné la collaboration qui s'est établie au fil des ans entre le Québec et la France, laquelle a permis de présenter aux Québécois de nombreuses expositions stimulantes.